Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Ah, ça pourrait aller mieux. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec vraiment une toute petite vidéo retour de course. Vu qu'aujourd'hui, on est mardi 30, il me semble. Ouais, c'est 30. Demain, on est le 1er juillet, si tout se passe bien. Et demain, je vais faire un petit pique-nique. Vu que je n'avais rien pour faire un petit pique-nique, mais vraiment le truc sandwich, chips et tout ça. Donc, je suis partie faire 2-3 courses par rapport à ça. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, mais il n'y a pas vraiment pas grand-chose. C'est parti! Alors voilà, pour commencer, je vais commencer déjà par le surgelé, comme ça c'est fait et je peux les ranger. Donc pour les enfants, je leur ai pris des Team Surprise, comme ça. Il y en a 24 dedans. Il y a cola, fraise, citron, menthe et orange. Vu avec la chaleur qu'il y a, ben, franchement ça rafraîchit et je vous avoue que moi aussi j'en mange. Donc désolé s'il y a un peu de bruit, j'ai les fenêtres ouvertes parce que franchement, comme je vous dis, il fait trop chaud. Ensuite, je leur ai pris les rostis nature. Hop là, je crois qu'on voit bien. Comme ça, des galettes de pommes de terre. Je sais, je pourrais les faire moi-même, mais j'ai trop la flemme. Donc voilà. Encore un petit paquet de frites. Par contre, à Leclerc, là, ils font que des frites surgelées. Vous savez, les paquets de 2,5 kg, mais que les frites allumettes. Donc du coup, moi, j'aime pas. Les enfants, ils n'aiment pas. Ils préfèrent les grosses frites. Donc du coup, je prends par 1 kg. Bon, j'en ai pris 15 cette fois-ci. J'ai pris de la pâte à pizza. J'en ai pris 3. J'ai pris 3 pâtes à pizza comme ça. Vous savez quoi? Je vais ranger le surgelé. Et je reviens. Donc ensuite, bon c'est bon, le frais est rangé. J'ai pris toujours les mêmes bananes là à 79 centimes. Celles-ci viennent de Côte d'Ivoire. J'en ai pris 2. Ensuite, ben là c'est par rapport au sandwich, non. Là, fromage râpé, voilà. Là-bas, j'en avais plus, donc ça tombe bien. Hop là, du fromage blanc. Il y a combien là-dedans? 1 kilo. Ensuite, là pour les sandwichs pour demain, j'ai pris emmental coupé en tranches là. Ça, j'ai pris 2 paquets de blanc de dinde. Fumé au bois de hêtre. Celui-là, ce blanc de dinde, les enfants, ils aiment bien. J'ai toujours pris du cachère. Goût, celui-là, c'est du veau. Voilà, c'est leur préféré. Ils aiment pas avec les olives et tout ça. Donc, ne me dites pas, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de ça. Déjà, j'ai tout ce qu'il me faut. Et à la base, j'étais pas allée pour acheter tout ça, quoi. J'étais vraiment partie acheter pour faire un sandwich, quoi. Pour le pique-nique. Du coup, j'ai pris 6 baguettes viennoises. C'est le pack familial. Il y en a 6 dedans pour faire les sandwichs. Je vais en faire comme ça avec thon, œuf, salade et tout ça. Et vu que j'ai mon fils, lui préfère avec le pain de mie. Donc j'ai acheté aussi pain de mie. Donc là, j'ai acheté aussi du pain de mie. Ben, voilà. Je répète pour rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Rien à voir avec le pique-nique, mais j'ai pris des lentilles vertes pour la soupe. Ensuite, j'ai pris un sambon. Voilà. C'est quoi l'odeur? Le parfum, c'est senteur florale. Voilà, celui-là. Je ne sais même pas s'il sent bon, je ne l'ai même pas testé. Ensuite, j'ai pris des chips. Voilà. Chips à l'ancienne, j'en ai pris 3. J'ai pris 3 paquets là et là. Il y en a un troisième plutôt. Du coup, il y en aura 2 pour le pique-nique et 1 pour la maison. Parce que bah, les enfants, de temps en temps, j'aime bien leur donner des chips et eux, ils aiment bien. Ensuite, j'ai pris une baguette de 2. J'ai pris 2 petites baguettes de pain. Et j'ai pris quoi d'autre? Voilà. Et après, j'ai pris du jus de pomme. Voilà. Et j'en ai pris 2. Voilà, ça sera pour le pique-nique avec ben, de l'eau.
Et ça sera bien. Ensuite, je suis partie prendre les couches. Hop, voilà, en taille 5. Ceux-là, j'avais du mal à les trouver pendant un moment. Ils faisaient que du taille 4. Et mon fils, il est un peu costaud. Donc, j'étais bien contente de trouver taille 5. Et ceux-là, voilà, toujours pas cher, 10 euros et quelques. Donc, ça va. Ensuite, je cherchais du lait. Il n'y en avait plus. Mais le rayon, il était vide. Donc, du coup, je suis passée à Carrefour. J'ai pris du lait. Bon, là, il n'y a que deux briques, hein. Mais j'ai pris le pack. J'ai laissé 4 autres briques dans la voiture parce que j'ai pas réussi à tout porter. Donc, voilà mon petit. Mais quand je vous ai dit vraiment petit retour de course, j'ai pris. Voilà, pour faire sandwich. Donc, je vais vous dire, j'en ai eu pour combien. Ah oui, j'ai oublié. Et du coup, j'ai racheté mon produit. celui-ci, je vais me répéter, hein, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, dans mes produits finis, j'en avais parlé. Et dans mon dernier retour de course, j'en avais parlé aussi. Donc, celui-ci, voilà. La base de chez la base, je le kiffe trop. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Et pour total, pour tout ça, j'en ai eu pour 42,76 €. Pas si vous allez voir quelque chose. Non, oui, non, focus. Pas du tout. Il va pas. Pas le forcer, tu veux ou pas? Non, il veut pas. Bon, bref, 42,76 €. Donc, voilà les amis. Vraiment petit retour de course pique-nique, je vais appeler ça. Après, bah, bouteille d'eau, j'ai. Et voilà. Donc voilà les amis, la vidéo se termine ici. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!